Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500 € sur la chaîne. Si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potes, c'est Soit Cool, moi Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis de la semaine 10 du pass de combat de la saison 4. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter que déjà j'ai fini tous les défis, donc ça c'est cool. Donc je vais vous présenter les petites astuces pour réussir les défis de la semaine 10. En fait le défi que je fais en vidéo là c'est tout simplement de fouiller un coffre, une boîte de munitions et un largage de ravitaillement. Donc on l'a fait en 50 contre 50, on va dans la zone. Je farm, bon là j'ai fait mon dernier anneau de chute. Voilà. Donc on va dans une. Enfin je vais aller dans la maison toujours au fond. Je vais directement ouvrir un coffre. Je vais chercher après une caisse de munitions. Je vais farm les constructions. Et puis dès qu'il y a un loot qui va apparaître, ben je vais tout simplement aller l'ouvrir. Donc ça c'est la meilleure astuce. Hein. Vous allez dans la zone. Donc regardez en haut à droite, on est dans la zone. Vous ouvrez votre coffre, vous faites comme moi. Et vous attendez qu'un colis stratégique, enfin un largage de ravitaillement tombe pour le récupérer. Donc faites des constructions. Donc moi ça va parce que ben on était plusieurs, on était quatre, donc Valentin me l'a gardé. Mais c'est possible que les autres essayent de vous le voler comme c'est un défi. Alors ce que je vous conseille c'est tout simplement de construire. Désolé pour mes chiens. Enfin bref, donc le but c'est de construire pour, assez haut pour que les autres ne viennent pas vous casser les couilles. Après vous tirez aussi sur le ballon pour qu'il descende beaucoup plus vite. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir votre colis. Alors, donc, je vais vous donner un autre conseil pour les autres défis. Donc, fouillez les coffres à Dungeon Junction. Vous pouvez essayer de le faire en mode 50 contre 50. Comme les gens ne vont pas vraiment aller à Dungeon Junction, normalement, vous allez être safe pour aller ouvrir les coffres de Dungeon Junction. Donc, je ferai une vidéo tuto pour vous montrer tous les emplacements de Dungeon Junction après cette vidéo. Alors ensuite, endommager des structures adverses, 5000 dégâts. Dans cette partie-là que je suis en train de faire en 50 contre 50, je vais faire plus de 4000 points de dégâts aux adversaires. Donc voilà, vous prenez des grenades, vous prenez des lance-roquettes, vous tirez avec votre arme, avec votre minigun, avec votre batteuse. Vous prenez un maximum de munitions pour pouvoir faire un maximum de dégâts. Dès que vous voyez une construction ennemie, bah, vous la détruisez si vous avez le temps et si vous n'êtes pas en fight. Vous la détruisez. Donc voilà. Alors ensuite, c'est traverser dans les anneaux en chute libre. Il faut savoir que les anneaux, vous pouvez en traverser un. Vous n'êtes pas obligé de traverser les trois. Bon, moi, ce que je vous conseille, c'est toujours de traverser les trois. Ça vous fait une histoire de 1, 2, 3. Ouais, ça vous fait une histoire de 7 parties. Pendant 7 parties, vous allez traverser à travers les trois anneaux. Et après, ben, ce sera fini. Donc, vous aurez un petit peu de retard sur la ville, sur ceux qui ne font pas les cercles. Mais après, vous faites cette partie vite fait. Vous pouvez vous suicider, vous pouvez vous faire top 1 ou vous faire tuer. Ça fonctionne, ce sera calculé. À part Trash Dead, il a eu un petit problème sur ça. Dédicace à lui, mais je pense que voilà, il a eu un petit problème parce que ça a bugué. Mais normalement, moi je l'ai essayé juste après. J'ai fait 3 anneaux, je me suis suicidé et ça a bien validé mes 3 anneaux. Donc voilà. Alors. Après, vous pouvez chercher entre des titres de films. Ben ça, je vous ai déjà fait un tuto là-dessus. L'emplacement de l'étoile secrète. Alors, éliminer des adversaires 10. Ben ça, c'est super simple. Hein, vous les éliminez tout simplement. Et éliminer des adversaires à Fatal Field. Donc moi, ce que je vous conseille fortement, c'est d'y aller, de faire ce défi assez rapidement. Même si vous n'y arrivez pas à faire un kill, vous insistez, vous allez tout le temps à Fatal Field. Parce que si vous attendez dans quelques jours, les gens, ils n'iront plus comme le défi aura quelques jours, donc vous aurez du mal à trouver des adversaires. Après, Fatal Field, c'est vrai que c'est assez quand même fréquenté, donc vous aurez quand même l'opportunité de le faire plus tard. Mais voilà, si vous savez le faire maintenant, tout de suite, essayez de le faire le plus vite possible, comme ça vous êtes sûr qu'il y a du monde et que bah, vous avez plus de chances de faire des kills, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos et photos. C'est Soit Cool Mike et ciao. Peace.